J'ai vu 69 films en 2023 et voici les 5 pires. Infinity Pool a une accroche intéressante, mais ça va littéralement nulle part. Ça résulte en un film plutôt ennuyant. C'est 1h50 que je ne reverrai pas. Renfield est l'exemple parfait du film qui se vend trop dans sa bande-annonce. Les meilleurs moments sont tous concentrés dans le trailer. Fais-toi une faveur et va simplement le visionner sur YouTube. Ok, le film est sorti en 2022, mais j'ai attendu ce 23 décembre pour l'écouter. Tu vas l'aimer si t'aimes les films Hallmark, mais sinon, c'est très oubliable. Je te jure, tous les personnages sont vraiment haïssables et cringe. Les meilleurs moments sont les plans en hélicoptère du château Frontenac. J'aime DC, j'aime Jason Momoa et j'aime Aquaman, mais personne pourra défendre The Last Kingdom. Tous les acteurs ont l'air de s'ennuyer dans un scénario inspiré de Thor, Black Panther et même Aquaman 1. C'est une triste fin pour le DCEU. C'est le pire film de 2023, c'est tellement plate que j'ai dormi. Excepté les décors et les animatronics, on passe à côté de l'essence même du jeu vidéo. Presque aucun élément d'horreur, un scénario générique et aucune tension, c'est le mélange parfait pour une bonne nuit de sommeil.